Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating things on all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous, I know that I gotta stay away. So you wanna know my name now? Na 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 na.
Oui. Bien le bonsoir à tout le monde et bien le bonjour et bienvenue et bon lundi et bonne semaine à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous êtes patate et j'espère que vous êtes chaud. Patate! Ah! Et coucou à toi ma fille, et coucou, coucou à toi Mia, coucou à toi ma belle licorne, coucou à toi mon petit Alidou, coucou à toi Alidou. Et coucou, bonjour, bonsoir, bienvenue tout le monde. Comment ils vont? Ah, le baissage du volume était brutal. Hop. La suite. On continue. Pardon, je pousse un peu la cam. Hop. Faut que je prépare la capture. Hop. ASMR water. Ah, coucou Yukinoa. Ouais, ça va, merci. Hein. Allez, hop. Continuez. Trop hâte, là. Bon, ça fait quoi de beau aujourd'hui? Vous allez bien? Ah oui, c'est vrai qu'on est de retour avec Abby. 4, 10... Ce sera pas de ce côté. C'est les pères, là. 24-09. Alors le 24-25, c'est par là? Ouais. Ah. Me fait déjà tourner en rond. Dis, super. Si les lucioles existent encore. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font à ton avis? Je sais pas. 24-17. On chauffe de plus en plus. Oh, j'espère pas. Je suis déjà en sueur. Oh, allez, là-bas, il y en a deux. Hey, coucou, Yuki. On a les deux Yuki dans le chat aujourd'hui. Bon, on n'était pas sur de l'infiltration, hein. On est tranquille. Claqueur. Et puis il peut pas avoir les claqueurs, c'est dommage hein. Eh hey, ça va être Tabayuki. Ouais, Abby, elle peut pas avoir les claqueurs au corps à corps, c'est dommage. C'est calme maintenant. Bon. Je savais qu'il y avait quelque chose. Ouais, c'est vrai. Reste sur tes gardes. Allons trouver cette maison. 24, 25. Bien joué, mon pote. Ça marche, merci Yuki. Bon Skyrim à toi. Ouais, ça fait penser un peu à ça. Hein. On est d'accord. Hein. On s'attend pas vraiment à trouver un groupe de résistants ici. On avait toutes sortes d'avant-postes, plus ou moins grands. C'est le meilleur moyen de se cacher de l'armée. C'est pas là. C'est le 24-26. Bah oui, je suis bête. Bien vu. On avait dit que c'était de ce côté-là s'il devait y avoir.
24-29. On l'a dépassé. On est trop loin. Ah, c'est cette maison alors ? Je vois pas. Voyons voir. Je sais même plus pourquoi on veut aller dans cette maison. On dirait que c'est à l'abandon, comme toutes les autres maisons. Oui. 24-25 Constance. C'est là. D'accord, mais il n'y a rien ici. Ça, on n'en sait rien. On n'a pas fouillé encore. Ils ont peint l'intérieur pour que ça ressemble à l'extérieur, mais les plantes, ça ressemble pas à ça. C'était pas des vis, là ? Ah non, c'était un CD. Fermé. Peut-être qu'il y a une autre entrée ? Je rêve ou t'es optimiste ? J'essaie de me rendre utile. Pas besoin, t'es toujours utile. Bon, il y a plein de petits trucs quand même. Je peux pas grimper là-dessus ? Oh, dommage. Oh non, hein. Pas ce cauchemar-là, Alinou, hein, s'il te plaît. C'est vrai qu'il n'y a pas de fan de Rammstein, hein. Peut-être là. Je crois qu'on a fait le tour, Lev. Non, attends. Qu'est-ce qu'il a ? T'as trouvé quelque chose ? Un truc là-dessous. Je suis désolé les amis, je vais faire une petite pause et je reviens très très vite. Je vous mets l'écran de pause et j'arrive à tout de suite. Yeah, prends, mange ma banane. Elle est là. Je secoue le checker là et de suite on me clip, tu sais. Bon, on va devoir revenir vers nos agresseurs principaux. Ouais, la zone nous pousse dessus. Oh, une saco. T'as son 06 ? Tu te fais tirer dessus au snipe. Ah, ça nous visait, merde. Ah ouais, ça... Je suis le méchant policier. Je vais chercher ma matraque télescopique. Bougez pas. C'est rien, c'est le problème. Allez, chercher. Vous avez été très vilain. La fuite de cochon, évidemment. Ah putain, ouais. Ah non, il a sorti la batte. J'aurais parié sur la fuite de cochon. Qui sait que je vais m'attraquer ce soir, hein. Ah oui, mais alors par contre, aidez-moi. Ça il le dira parce qu'il aime les dites et il adore la nalle. Oui, ça y a pas de problème. Oui.
haut, c'est de mettre. À boire. Ah, il fait plaisir, le Shazam. Oh, le bruit de la chaise. Oui, t'as vu le petit bruit, comment il est trop mignon. Je sais pas si ça marche si je le refais. Non, ça fait. Non, ça, ça juste fait un petit. Comme une, en fait, c'est parce qu'il y a la. Parce qu'il y a la mousse, elle se gonfle. Enfin, il y a de l'air, et quand je m'assois, l'air ça part. Et. Cette scène est épique. Limite, je lui fous un pied dans son pied, le mec il voit rien. A l'aide. Ah. Oh putain, et j'ai cru qu'il avait capté un truc, hein. Ah bah si, ça y est. Non, c'est pas ce que vous croyez. Arrêtez. Non, non. Mais tape-le, ta race. Allez. Il est juste nul. Allez, tu y es arrivé. Et ouais. Moi j'ai envie de l'insulter ton perso. Ouais. Mais oui. Ouais. Allez. Sucez-moi. C'est loin. Ah non, c'est Louis, il est pas là. Ah oui, c'est vrai. Alors si, il est passé tout à l'heure. Je sais même pas comment elle fait pour. Non, je sais. Non, je sais. Ben. Bah... Non, j'ai une petite variation. Mais oui. C'est le même à chaque fois en plus. Ouais, mais faut pas imiter ça. Avec tous les. Ah, je vais cliquer. Oh, faut que je clique. Mais il y a même des mecs qui... Mais attends, mais il y a même des mecs qui lui disent allez, enlève le. Non, mais non, mais. Mais. Belga mais qui va drop. Belga qui va drop une. Est-ce que quelqu'un veut venir planifier un. Mais qu'est-ce qui se passe encore chez nous? Je trouvais que c'était résolu. C'est quoi le plan A? Oh merde, vous êtes déniqués. C'est qui a eu la super idée de faire de la renquête en fait? Tu veux qu'on arrête la renquête? Pas moi. Ah non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait on se fait rouler dessus depuis le début et c'est même pas fun en fait. Bah on arrête la renquête si tu veux. Ok, il reste que j'ai le garage. Elle est là, ouais. White, en vrai, vous avez le spike. Oui, oui, peut-être pas moi. Bon, je l'attends. Elle est là. Après, Zek, si tu veux rusher, je la flash. Voilà qui est fait. Ouais. Mmh. Ça c'est fait. Les bras ont besoin d'exercice. Je peux prendre le mythe Ah non, attends. Si, je vais prendre le. Ah merde. On va voir. Ah, attention, ça s'affole là. Et vous avez fait les empreintes partout. C'est quoi ces bruits de pas? C'est toi? Ouais, ouais, ça bouge là, ça s'affole. Il y a de l'activité. Elle m'a tué, elle m'a tué. Oh putain. Oh. Elle était dans putain, la chambre. Je l'ai encore raté. Va me prendre en photo, il y a mon appareil photo à côté. Bah ouais, mais j'ai rien fait de mal. J'ai fait tomber ma lampe torche. Wait, don't peek. My bad. Je vais essayer. Non, tu. Quoi? Ça passe ça? Je sais pas. Oh, faudra tester si ça passe à ça. Ça peut être un truc de bâtard. Ouais. Oh! Oh, allez. Oh là là. Allez, bim bam boum. Ah, tu viens casser la boîte à bain. Mais putain, mais il faut beaucoup. Il est pas possible. Non, Mania Gandel, tapez-le. Pour le taper. Tapez-le.
Bon, option. Je pense qu'il y a un problème, hein. Oups. Ça a pas l'air d'être dur, ça a pas l'air d'être dur. Ouais. Mid. Oh oui, Zex, ça continue. Ah bah là, je peux plus, là. Oh, ce bon gros métal, sa mère, là. Putain, mais oh là là. C'est... Encore. Ah, ça synchronise. CNC. Héreux. Désolé, les amis. Coucou, mon bitro. Comment il va? Ouais, la bonne vieille époque de la VR. La bonne vieille époque de la VR. Ouais, désolé, je risque de vous couper peut-être plusieurs fois. Comme ça, il se pourrait que votre streamer aujourd'hui ait un petit peu le bide en vrac. Voilà, mais he's ok, hein. Les clips sur Valo, quel niveau? Frère, là, ce qu'on vient de voir, Raze sur Breeze, avec Sylwin qui jouait, j'étais à l'OP. Oh, on devait être dans les bronzes, hein. Go streamer depuis les toilettes, quel enfer. Surtout pas, hein. Mais c'était certainement de l'unrankade en plus, Bitro. Pousse-toi. Allez, on pousse. Tu n'es plus Ellie. Non. Ah, on est sur la fin du jeu, Bitro, hein, vraiment. On est vraiment, vraiment sur la fin du jeu. Eh oh. Il y a un monde où on le finit aujourd'hui. Tu connais le jeu, toi? Tu as joué ou t'avais vu des let's play complets ou pas du tout, Bitro? Personne n'est venu ici. Je me rappelle plus, je crois que je t'avais posé la question, mais du coup tu m'avais dit que non. Hein. Il me semble. Je n'ai joué à aucun. Okay. Juste vu la série. Tu sais que là, du coup, on est totalement en train de spoil, en théorie, la saison 2. Hein. Je vais interagir avec ça après. Avec ça aussi, je vais d'abord récupérer du loot. Ils ont passé un bout de temps ici. Oui, ça va. On a été spoil du pire, je crois, au bout d'une heure de jeu de celui-là. On a tous chialax nos grands morts. Bon, vas-y, la radio. 1-2. Il y avait du courant ici. Fais le tour. Panneau solaire. Ah. Et du coup, on sait pourquoi ils l'ont fumé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent ne pas être spoil? Et à ce moment-là, je dirai rien et je t'expliquerai après, Bitro, si tu veux. Si par contre, tout le monde s'en branle. J'explique. SOS aide. Sur ce qu'il faut faire? Non, ça va pour l'instant. Je crois pas. Je sais pas, j'écoute pas. Ah! Ah oui, ça tu peux, Yuki, si tu veux. Ici. Tu vois un indicatif quelque part? Un quoi? C'est une suite de chiffres et de lettres. Vas-y, Yuki, tu peux écrire dans le chat, ici, tu vois. Ici, Abby de Santa Barbara. Quelqu'un me reçoit? À vous. Y a quelqu'un? C'est quoi ça? C'est les fréquences. Y a quelqu'un sur cette fréquence? Ici, Abby de Santa Barbara. Quelqu'un me reçoit? Est-ce que c'est des avant-postes de Luciole? J'en sais rien. Quelqu'un me reçoit? À vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette fréquence? Ici habite Santa Barbara. À vous. À vous.
Y a quelqu'un sur cette fréquence? Allô, ici Abby de Santa Barbara. Quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, répondez s'il vous plaît. Répondez-moi. Et du coup, c'est pas vraiment des... Enfin, c'est des ex-lucioles, parce qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment des lucioles, il me semble. On te reçoit 5 sur 5. T'appelles d'où à Santa Barbara? 25 Constance. On nous a parlé de cette base, mais y a personne ici. On cherche des lucioles. Je suis une luciole. Ah, bon. Ok, elle me fait mentir maintenant. T'étais à quel endroit? J'étais à l'avant-poste de Soleil. Qui dirigeait l'avant-poste? Le docteur Jerry Anderson. C'était mon père. Si je m'y attendais. On a vidé tous les avant-postes satellites et on a rassemblé tout le monde ici, à la base. Et vous êtes combien? On est environ 200 maintenant. Chaque mois, on a de nouvelles recrues. Oui, donc les lucioles existent encore et sont en train de renaître peut-être, entre guillemets? Comptez-en deux de plus. Comment on vous rejoint? L'île de Santa Catalina. Allez vers le grand bâtiment avec un dôme à Avalon. On vous trouvera. Ok. Alors, à très bientôt. Terminé. On vous attend. Bonne chance, Abby de Santa Barbara. Terminé. Viens, on retourne au bateau. Bon, d'accord. T'avais raison. T'as dit quoi, pardon? Pourquoi tu me fais toujours répéter quand je me trompe? Parce que ça me fait plaisir. Et aussi parce que ça n'arrive presque jamais. C'est vrai qu'on est beaucoup à penser qu'elle mérite de crever parce qu'elle a buté Joël. Waouh! Stop! Stop! Ne tuez pas maintenant! Attachez-la! Patate sur le gosse, ouais, c'était. Waouh! Approche! Fais voir ta blessure! T'es prêt? Hé, hey, tu fais quoi? Attends! Putain de merde! Ça va aller. Occupe-toi du gosse. Oh putain! Ne la touche pas! Je vous ai interdit de la toucher! Non! C'est une sacrée presse, pas vrai? Il y a un 3 qui est en préparation, ouais. Les devs ont bien dit qu'il y avait, un 3 qui était dans les circuits. Si goulou. Je suis vraiment parti solo là? Si je vais là-bas, je peux aller jusqu'à l'autre bout du monde, vous croyez?
Ah ouais, t'es solo. Ça sert à quelque chose, Yuki, t'attestes ou pas? Sinon, je fais demi-tour en vrai. Je crois qu'il y a rien. Ils ont rien caché là. Ah rien, super. Allez, fais demi-tour. Non mais voilà. Oui c'est beau, voilà, voilà. C'est joli. Bon, la mer est dégueulasse. Marc, attends, les vagues là. Les vagues sont pas moches quand elles se jettent sur la plage, là, ici là. C'est pas trop moche quand on regarde de loin. Essayez de trouver du positif là où il y en a, hein, sur cette qualité d'eau et de vagues plutôt médiocre, j'avoue. Un cotru ici. Pas de traces de pas dans le sable. Oh, c'est pas pareil que dans la neige. Hein. Mais si, si, il y a des petites traces de pain. Hein. Mais vraiment, la flemme de faire un chibre. Ça se présente plutôt bien. Non, pas que Dina allait venir, mais peut-être qu'elle allait avoir d'autres gens de Jackson, qu'elle allait peut-être m'accompagner, tu vois, j'en sais rien, moi. Je me dis, pauvre petite fille innocente que je suis. Qui arrive même pas à sauter correctement une falaise tellement elle est gourdasse. D'accord que je viens de prendre à droite, qu'est-ce qui serait passé si j'avais pris à gauche, putain. Tu vois, c'est ça qui me fume dans ce jeu, c'est... Seule flèche dans le sac, pas d'arc. Ah ouais? C'est Ellie, frère. Elle, elle prend les flèches, elle les lance comme ça à la main. Zbra, one shot. C'est parti. Tu peux pas grimper ici. Et là, tu peux grimper. Eh bien. Ok. Pareil que la neige, écris ton prénom dans pipi. Ah ouais, dans le sable, let's go. C'est un peu la Chuck Norris post-apo, oui. Totalement. Ok. Bon, alors. Mais ça bluffe. Je suis là. La direction de Santa Barbara, c'est... par là. Voilà, ma seule et unique flèche là, elle a passé sur ce coup que je vais donner, qui va être fail en plus, hein, on est d'accord ? Putain, je me suis menti. Bon bah en tout cas, j'ai quand même niqué ma seule unique flèche. Y'a des trucs là-dedans ? Petit quad là ? On va se faire un petit tour de quad là ? Je suis chaud, hein. Une note. Il aurait dû mourir et ça aurait sauvé tout le monde. Mais Monsieur Joël a tout fait foirer. Oh, t'es en train de dire que c'est la faute de Joël, là? Je sais que j'ai dit que j'attendrais ici, mais c'est risqué. Les crotales sont partout dans les bois. Je peux pas les laisser m'attraper. Je t'attendrai là où je t'ai raconté la blague avec la balle de ping-pong. Ton rire me manque, j'espère que tu vas bien.
Alors oui, c'est vrai, j'avoue. Y a quand même du vrai, tout ça parce que Joël est égoïste. On en est là aujourd'hui. Parce qu'au final, nous, on défend vraiment l'action et l'acte de Joël et tout, mais c'est vrai que... Je veux dire, c'était totalement égoïste en fait de la part de Joël d'avoir dit non, je reprends Ellie, je veux pas Elmer. Faut pas être méchant, il a une barbe. Ça se défend. Ça se défendrait plus s'il avait une barbichette. C'est du claqueur ça hein. Il m'a fait stresser le derrière, t'es où? Il m'a vu ou oui? Il est niqué dans sa tête lui. Ah waouh pitro. J'ai pas esquivé. J'ai pas du tout, du tout esquivé. Dis-moi que t'as un pompe, Ellie. Alors j'ai l'impression que j'ai lancé un débat dans le chat. À base c'était pour troll hein, quand même. C'était quand même pour troll, bien sûr qu'on connaît toutes les circonstances et situations atténuantes, on va dire. C'était le pire choix du point de vue de l'humanité. C'est pas là que je dois aller, genre. Mais t'imagines, enfin, vous imaginez un peu, genre, le choix horrible que ça doit être. Genre, vraiment, si on aurait été à sa place. Je vais faire pondre des gosses à tout va à Ellie pour avoir une bonne base immédiate. Oh putain! Faut qu'elle fasse des gosses. Je suis perdu. J'ai loupé, je pense, l'entrée de la maison, non? Après, il y a que des gros murs ici. Ah, le camion. Un truc à faire au camion? Non, même pas. Ah, le trou là? Ah, le trou? Une de perdue, 10 de retrouvée, Zex. Ah là! Voilà, ça c'est réconfortant. Merci, Bitro. Après, j'ai juste perdu mon chemin, donc normalement, je devrais retrouver 10 chemins.
Quelque chose me dit que là, dans cette maison... Ah non, c'est au-dessus. Oh maman, fuck. C'est que du claqueur là. Nom nom nom. Ah nom nom. Ah nom nom nom. Toc toc à la porte. Ouais non, vraiment pas. Je suis pas fan de l'idée. J'espère que je peux passer par là. Mais oui Ellie, tu peux passer par là. Tu sais pourquoi? Parce que tu es Ellie. En fait. Une planche, pas besoin de planche, j'ai un marteau. Ah, de la drogue. Dites oui oui à la drogue. Ah, petite collection de plus. N'empêche, tu parles de game design, mais moi je trouve que le game design de ce jeu, il est incroyable. J'ai toujours mon lance-flamme ou... Non ? Alors là on va jouer pompe, on va jouer fusil... Vous vous souvenez à chaque fois que je me suis servi de ce genre de truc, hein? Comment ça s'est passé? Oh sa mère! Waouh, j'aurais dû me barrer en fait, j'aurais dû passer en fufu. Quel con Zex, tu es con, tu es tout con. Casse-toi. Il passe pas à travers ces gros cons. Le lance-flamme c'est avec Abby. Non, j'avais le lance-flamme avec Alain. De sûr. C'est une chance d'être immunisé, bien sûr. Observez. Observons ce qui est joli. Santa Barbara se trouve en bas. Oh, c'est loin, sa mère. 4,25 Constance. J'ai pas prévu de faire une rando aujourd'hui. Hein. Ah, je crois qu'on a un raccourci qui se dessine sous nos pieds. On va voir s'il y a un peu de loot là dans le camion quand même. Il y a forcément du loot. Bon, on a loupé. Hein. Il y avait du stuff à l'intérieur et tout. Il y avait de quoi se craft des choses pour les armes, il me semble. Mais bon, tant pis. Ah, je peux craft des flèches. Let's go. On va craft d'huile. Parce que je suis pas dans un état très très joyeux. Hein. Allez, la petite glissade là. C'est tout. Le jeu est pas si punitif en vrai. En vrai,
Je joue en normal, je le rappelle. Hein. Eh, je suis fort, hein. J'ai réussi à pas louper. Voilà, c'était dur. Bon, par contre, il me faut du tissu si je veux me refaire un silencieux parce que là, je suis dans la demeure. 5 secondes, frère, je suis à la manette. Alors que sur le PC, j'aurais mis quoi? 4 secondes 20. Je suis tellement plus efficace sur PC. Ah, t'es gentil avec moi de dire 2 secondes. Allez, 1v1 ma gueule. 1v1 là, qu'est-ce qu'il y a? Teabag, teabag, teabag. Voilà, voilà, c'est ça Ellie, c'est ça. Voilà, bon teabag sur sa gueule là. Voilà, miam. Je vais pas leur dire bonjour, peut-être que c'est moins agressif. Mais y a pas d'émote pour dire bonjour, c'est dommage, hein. Je l'aurais fait. Ah, un petit peu de licorne qu'on n'entend pas. C'est normal. J'ai pas mis stream, avatar. Non, non, non. J'ai rien mis en fait, j'ai lancé le stream comme un schlag. T'as le sang qui monte à la tête, hein? C'est honteux! Oui, je sais, je suis désolé. Oh, la coupe de cheveux, c'était Dragon Ball Z, frère. Abby. Abby. Vaut mieux pas aujourd'hui, allez-nous. Tu vois? Elle est encore vivante. Cette gare, c'est dans un sale état. Oh, c'est gif coquet vitro! Pou pou pou! Elle tiendra un mois à tout casser. Sérieux, on pourrait pas s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, descends l'infecté de là qu'on remette les pièges en place. T'es sûr, mec? Ça vaut vraiment le coup de la ramener. Elle est pas si. Merde! Oh, elle t'a mordu? Non, 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 j'ai rien. J'ai rien. Putain. Tu trouves ça drôle? Je crois que t'as chié dans ton froc. Oh, c'est dégueulasse ça. T'as dit quoi là? J'ai dit que t'es une vraie mauviette. Ah, tu crois marrante, c'est ça, hein? Allez, debout. Arrête. Debout. Ça vaut pas le coup. Je m'en fous. On va claquer de toute façon. Viens là, toi. Attends. C'est toi. Rigole. Chier là. Oh, une arme automatique là, let's go. Attends, 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 tu as dit Abby. Tu cherches une Abby, pas vrai? On en a chopé une, il y a quelques mois. Ouais, c'est ça. Une fille musclée. Blonde. Des bras comme les miens. Accompagnée. Des bras comme les miens. Des cicatrices bizarres. Ouais, c'est bien elle. Laisse-moi partir. Je te dirai où elle est. Tu la trouveras avant que l'infection prenne le dessus. Parle. Elle est dans une cellule, dans notre camp. C'est où ça? De ce côté-là, jusqu'à la voie ferrée.
ça t'amènera un complexe. On les met dans le grand bâtiment circulaire. Elle va le fumer ? Je te le jure. Oh, c'est la tête, non, qu'elle a fait ? Pas trop vu. Le cœur. Oh. Bah, ça fait du sang. Faut affairer jusqu'au complexe. Grand bâtiment circulaire. Trophée obtenu. Faut affairer jusqu'au complexe. Grand bâtiment circulaire. Il a un flingue. J'y attendrai pas. Putain de merde. Putain. Où est-ce qu'il a trouvé un flingue, bordel? Dis aux autres de ratisser le secteur. Vérifiez que c'est le seul à être sorti. Et faites gaffe aux infectés. Ouais. Si j'apprends que quelqu'un l'a aidé, c'est... T'as envie de voir Elise changer, c'est ça, Bitro? Quel gâchis. Ça faisait un moment qu'il jouait au con. C'est le troisième ce mois-ci. Tu devrais mettre plus de gars au portail. Y aurait pas besoin si les gars du portail faisaient leur putain de boulot. Va jeter un œil, je veux être sûr qu'il était seul. A priori, y'a rien. Allez, mon grand. Je sais pas si je pourrais le fumer lui là-bas. Et là, je peux pas avancer à travers le muret parce qu'il va me voir. Ah, là, je peux. Il allait presque me voir, le coquin, ou... Bon. Courir, chaf. Où sont les autres? Ça va, t'as fini la journée? Ça s'est bien passé. Oui, oui, nice. Alors, j'en ai un... Ah putain, il y en a un deuxième là-bas en face. Putain, mais il y a du monde ici, là. Oh les gars, vous êtes pas fun. Oh, je peux récupérer ma flèche. Petite flèche. Ah ouais, mais il y a un dogo. Pas bien les dogos. Ah ouais, chez nous on bouffe du sable aujourd'hui. Hein. Je sais pas jusqu'où il remonte le sable dans la France là, mais... Nous dans le sud on mange. Hein. Juste voir un petit coup d'œil dans le... Bon bah y'a rien dans le train. Nick. Y'en a des choses ici. Oh merde, le verre. En plus, y a pas la séparation homme-femme là dans les chiottes, c'est un scandale. Hein. Ah, je vais pouvoir fabriquer un silencieux. Je crois. Non. Putain, il manque un tissu. Non, mais y a... Putain, quelle entrée fracassante. Mais y a miam. Bobbies, oui. Ah, t'es dans le bon sud, toi, Linou. Espèce de chanceux.
Enterprise. Je redoute la venue du chien, je vous le dis. Hein. Vous savez qu'il y a un dogo qui va venir. Tu mets du sang partout, bah... Eux, ils sont nombreux aussi. La discrétion, merde, c'était un des derniers. C'était un des derniers de la zone, là. Enfin, si mes calculs sont bons, Kevin. Bon, là, on en a peut-être... Et le RP dans tout ça. Ah. Ah ouais. Et il y en a en face, là-bas. Oh, j'avoue, il y a un de ces peuples. Je vous en ai parlé, je vous ai dit qu'il y avait un jeu là que j'attendais qu'ils allaient sortir bientôt là. Commando. Bon, après c'est un jeu de en vue du dessus. Mais côté infiltration comme ça, dans ce genre là, ce genre de gameplay là, il n'y a que ça. Hein. Et là-dessus, je me régalais sur ce genre de jeu. J'y jouais que j'étais tout bébou. Et j'ai trop hâte qu'ils sortent. Non, en plus il a un casque, fils de... Bon, j'ai bien visé à côté aussi, faut dire. Ah bah Vitro, c'est exactement ce que je disais. Hein. Je vois rien du tout. Je disais, au final, dans ce jeu, ça te montre que le problème, là, pendant les trois quarts du jeu de ce qu'on a fait, c'est pas des zombies qu'on a butés. Vraiment pas. Qui me voit? Personne? Personne m'a vu. Personne m'a vu. J'ai vraiment peur que le MP5 soit pas silencieux que ça. Si tu regardes la série The Walking Dead, c'est pareil. Tu ne vois plus de zombies à force. Ouais. La hache, on va essayer de ramasser la hache. On va essayer de ramasser la hache. C'est quelqu'un qui me voyait là, celui qui est sur la droite à la voiture. Je sais pas si vous le voyez à l'écran. C'est vrai que la hache, elle tape mieux qu'un bâton quand même. Mais il est où, Billy Boy? Oh putain, il est parti là-bas, il est parti pisser ou quoi? Ah, oh, c'est encore un avec un toutou en face. Il y a trop de toutous dans le jeu. Mais ils sont combien? Et ils ont tous des casques. Je pense que dans ce genre de monde, c'est que les enculés qui vont survivre le plus longtemps. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, mais tu vivras longtemps, très longtemps. Ouais, mais putain, au prix d'être obligé d'être en gros écuyer. Putain, ils sont trois. On essaye de faire fufu le plus longtemps possible, mais je pense qu'on va pas tenir. Puis là, faut trouver un timing parce que les trois, ils regardent vraiment un peu en...
Et je sais que j'en ai un qui est sur la gauche, encore à l'intérieur du bâtiment. Ah, oh, c'est chaud, Zaza. Il y en a combien? Ah oui, ça c'était le maître chien du coup. Ah, j'aurais dû la saisir. Ah, y a pas de quoi se planquer. Ah. Genre, ça marche là ce que je viens de faire? C'est une vanne. Bon, le MP5 pas ouf hein. J'ai pas été fan de ce que ça nous a fait. Dispo, tu ramasses ça? En vrai, il est tout seul, non, ça doit être un des derniers, lui. Touroum, 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 touroum. Bon, y'a personne. Juste avant de mourir, on fera un petit peloton d'exécution. Juste comme ça pour les choquer. J'ai pris cher là hein, sur ce. On va changer. Elle est où cette voix? L'animation est toujours la même. Non. Non, non, justement, enfin, moi j'ai remarqué qu'il y avait quand même plein d'animations différentes, qu'il y avait vraiment pas mal de variations. Sur les execs, ouais. Enfin, il me semble. Hein. Après, ça dépend peut-être aussi des armes qu'on a en main. Manger. Yuki, je te fais honneur. Je peux pas crever aujourd'hui. Yuki qui aime quand on lui casse les fenêtres, bien sûr. Ramasse-le ça. Hey, s'il te plaît. Fais un petit effort. Mais enfin ouais, après en tout cas quand même globalement je trouve que le travail sur les animations il est dingue dans le jeu. C'est tellement smooth, c'est tellement précis, c'est intuitif et réaliste, enfin je sais pas, il y a plein de trucs qui sont top. Le spike? Ah non. Ah non, pas de spike là. Désolé mon bitro. Là on avance quoi. Là on y va hein. Vous voulez que je démarre Stream Avatar?
Je sais pas, j'ai tapé au pif. Non, ça marche pas. J'ai lancé un stream quelque chose. Est-ce que ce sera le bon? Je sais pas. Parce que moi je vois plus mon écran de PC là, c'est l'écran de la Play. Et quand je lance un truc... Ah c'est pas les bons. Non, ça m'a fait une recherche. Non là j'ai Stream Element. On panique sa mère. Hein. On va pas de paix mon bitro. On va pas de paix tout. Merde. Ah oui. C'est parti. Putain. Ça, c'est un grand bâtiment circulaire. Oui exactement. Oh putain ce stream lab OBS qui s'est lancé. Ah vas-y. Dégueulasse ce soft. Dégueulasse. Comment je vais entrer là-dedans? Si, ça m'a rappelé des souvenirs. Streamlab OBS, c'est le logiciel que j'utilisais pour streamer à l'époque. Quand j'ai commencé le stream. Rappelle des souvenirs, tout ça. Hé, les crotales! SC Mackenzie! Je suis dehors, libre! Mon mari est mort! En ramassant vos putains de tomates! Mais on n'est pas seul! Je reviendrai avec des renforts. Vous jouez, ils sont cotés. Bon, c'est fini le jeu ou pas? Pas encore, mais bientôt. Coucou Sly. Ça va, ça se passe le travail? Force à toi. Ça se passe, tranquille. Bon, oh, tant mieux. Salut. Je veux pas de fin du monde, je suis trop gentil comme personne. Non, 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 bah non, on finit pas le monde. Hein. Allez, tu vas y arriver. Encore un petit effort, mon grand. Laisse-le tranquille, il ressent rien du tout. Allez, laisse-moi, je lui ai promis. Tu te hype tout seul, pourquoi du coup? Ah, sur la Zilan. Ouais, j'aimerais trop que ça puisse passer pour la Zilan, les amis, hein, je vous le dis. Hein. La précision de cette arme est à chier. Matteo ? M'en charge. Je reste en alerte. C'est Matteo ! Putain, il est mort ! On a de la visite ! Je veux qu'on retourne toute la zone. Ah, oh, tu serais notre herboriste de ouf, Mia. Herboriste slash cuisinière. Ouais mais j'en ai libéré un, ça y est Yuki. Mais ils l'ont fumé. Comment c'est possible? Ah là là. Comment c'est possible? T'as des libres sur la survie, Sly? Tu sais monter à poney les dresser, cool. On va pouvoir faire une équipe de choc à nous tous.
personne d'autre. C'est vrai que jusqu'à présent, c'est souvent la même anime. T'as peut-être raison, en fait, hein. Pourquoi tu me veux dans une cage? Ça a fait un petit bruit là. J'ai bossé là-dessus, il a cassé. C'est fini. Ces types sont complètement tarés. Ah ouais, t'es flippé de ça, Sly. D'accord. Bah écoute, espérons que ça nous serve pas. Hein. Fantasme personnel, bien sûr, Mitro. Mais il y a dans une cage, avec que les pieds qui dépassent. C'est bon, on connaît la suite, hein. N'en dis pas plus. J'ai le 12 sous le lit. Après bon, c'était plus pour autre chose, mais pendant un moment j'avais des lacrymos à portée de main. Ah là là, j'avoue, réchauffe. Oh putain, l'esprit mauvais qu'il a. Mauvais mais intelligent, incroyable. Ah là là, cette malveillance. Super, j'ai loupé l'échelle. Bon, on a ramassé du loot. Mia, on mettra ta tête sur le mur, t'en fais pas. Oh. Genre comme un trophée de... Oh non, je peux pas corriger le recul de l'autre, là. Oh, ça dégoûte. Télémètre. Oh non. Quoique... Non, je sais pas. Je sais pas sur quoi on va jouer, là. Dégâts de celui-là, j'aime bien. Il te manque juste un arc, Vitro. Sly, ouais, t'as raison. On va améliorer le rechargement aussi, celui-là, il est long. Ou alors la stabilité, allez. Un serveur PVP Project Zomboïde entre nous, imagine les communautés. Ah non, mais ça va être zinzin, frère. Réchauffez-moi contre le reste du monde, my dream. Oh putain. Pardon. Excusez-moi. J'ai fait de l'éternuation. Genre on se fait un Project Zomboïde, un serveur avec des horaires d'ouverture, comme ça on a tous le même temps de jeu. Et on a... Parce que c'est toujours ça le problème après ce genre de truc, hein. C'est les gens qui vont être au chômage et qui vont avoir la possibilité de tryhard beaucoup plus le jeu que d'autres. Genre on fixe des heures de jeu. Chacun dans une ville.
Et à un moment donné, bah, il se passe ce qui se passe. Hein. Passage par là, genre. Si, il doit être par en haut. C'est que je suis débile. Ah non, pas par là. Bah non, pas par là non plus. Non, bah non, bah, je suis pas débile du coup. Enfin, pas jusque là. Tu veux chasser les lapins? Lapin. Oui non, je suis débile, sinon je veux dire, il y a un truc qui est bien grand allumé. Je n'y vais pas depuis tout à l'heure. On peut le dire, je suis débile. Voilà. C'était quand même évident que c'était pas là qu'il fallait aller. Ok. Ça écoute la musique là. Ça s'enjaille dehors. À toutes ces lives, bon courage, des bisous. Papier à ramasser là. Oh. C'est Bitro, il lancé, il commence à bosser sur la DA là. Vraiment. En train de nous monter un projet. Qu'est-ce que je loupe? Ah, on peut passer par là. Ok, ok. Eh, hey, c'est rock'n'roll avec la musique au moins. Oh, parce que je suis nul. Relève-toi, Ellie. Mais recharge, Ellie. Mais tape-le, Ellie. Ouais, putain, je suis bien abîmé. Tout le monde se disperse, protégez la tour.
J'aurais pas dû faire une attaque éclair là-dessus. Merde. Waouh, mais ça implique d'être précis, ça, là. C'est trop loin, j'ai pas de lunettes, moi. Et soigne-toi, Zex. Mais non. Bon, ok. J'avais pas vu. Ça va. Tu restes sage, le zombie, hein. Tu bouges pas, hein. Mais non, les streamrunners sont là. Bonsoir, bonjour, bienvenue les coureurs de stream. C'est que si je les libère, ils vont venir me bouffer, les zombies. Ah, il y en a là-bas en face. Il y en a un devant moi. Oh putain, il y a du monde. Si je les libère, ils vont directement s'aggro sur moi ou ils vont aggro d'autres personnes? Madame Yuki. Parce que s'ils vont sur les autres, je les libère. Bah ils voient aggro si ils font du bruit. Donc si je fais pas de bruit, ils m'aggro pas genre. On va voir. Ça fait de bruit. Ouais, j'ai pas fait de bruit. Ni moi, gros. Jument. Bien, Yuki. Super. Oui, alors faut le faire plus discret que ça. Encore plus discret, mais comment tu veux que je sois plus discret? Amusez-vous bien. Quelqu'un nous bute un par un. Putain de merde. Tout le monde se disperse. Disperse. Ici.
non, mais il y avait encore les zombies, mais j'y crois pas. Ouais, j'ai fait un petit réflexe sur le claqueur, je pensais pas. Je pensais vraiment pas. J'étais un peu nul sur ce coup-là. Mais je pense qu'on tenait un truc, là. Après, je me suis un peu fait griller. Non, je suis débile. Évasion d'infecté, merde. C'est vrai que c'est des claqueurs, du coup, ils me voient pas, hein. On dirait que ça joue au chat et à la souris, t'sais. C'est toi le chat. Je suis le loup. Y'a du monde à l'intérieur ou c'est comment? Y'a beaucoup de monde à l'intérieur. T'as un casque aussi, c'est plus dur. Oh non, je voulais pas buter un claqueur, moi. Ils ont attaché les claqueurs avant que ce soit des claqueurs. En vrai, je pense qu'ils ont dû nourrir les claqueurs pour que ça... Enfin, des zombies pour que ça devienne des claqueurs. Je vois bien un truc comme ça. Il y a un pistolet. Wouhou. Enfin, une balle de pistolet, pardon. Putain. Je me suis fait détecter par quelque chose ou pas? Parce qu'il y a eu le son comme quoi je me suis fait détecter, mais... Je suis pas sûr. Il y a beaucoup de monde en haut. On va bien faire un tour par ici, hein. Je pense qu'il y a pas mal de loot. Parce que là je suis un peu à sec en termes de mun. Ah, et la vie, on va pas cracher dessus aussi. Ou alors ce sont des claqueurs amateurs de BDSM qui viennent se faire attacher. Tu nous exprimes tes envies, c'est ça, Aïnou? Mais arrête, tu m'as pas vu! Chez moi, Mia, petit gif coquin, on aime bien ça. À manger. Tiens, ça c'est pour Yuki. Une petite vitre de brisée. En contre, là, je suis très très mauvais quand même, hein, sur ces passages-là. Je fais du bruit. J'éclate
tout. Je perds des PV inutilement. Oui, en fait, j'étais comme ça pendant tout le jeu. L'âge de pompier, très bonne arme quand on veut attraper Mia pour la mettre en cage avec l'échafe. Commence à avoir des idées cheloues sur mon chat là. Mia, elle a rien demandé puis elle se fait encager. Tout ça qu'on dit, non? Encager. Bon, de là, je peux sauter de l'autre côté, c'est ça? Let's go. Oui, d'accord, c'est exactement le même endroit que j'ai pas fouillé jusqu'au bout. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Y'a du monde ici ou c'est comment? Non, ça va? Tranquille. Eh, bonne ambiance ici, hein. Quoi ce bordel? On nous attaque! Allez, on y va! Je comprends pas comment je me suis fait repérer tout à l'heure, hein, quand même. Il va se retourner, lui, c'est sûr. C'est sûr, il va se retourner. Hein, qu'il va se retourner. Non, il se retourne pas. Crève, petit caca. Crève. On va refaire le plein de munitions, déjà ça c'est agréable. Zach ? Je vais voir ce qui se passe. Je suis derrière toi. C'est Zach ! Quelqu'un l'a buté ! Y'a quelqu'un ici ! Passez le secteur au peine fin ! Non, coupé!
peut se soigner un peu. Ah ouais, vous voulez faire un système de rançon avec Mia en fait, c'est ça? Vous êtes trop fort, vous êtes trop malin les gars. C'est un peu flippant de penser des trucs comme ça, mais vous êtes trop malin. Très bien. Comment je vise les pieds, c'est le but. Ah, c'est peut-être celui que j'avais commencé tout à l'heure en vrai. Elle est comme mon skill quoi, inexistante. J'y vais presque. Putain, ils sont où les prisonniers? Commencer à devenir pote avec des gens, faire semblant de se faire kidnapper pour récupérer une rançon, c'est être manipulateur. Oh. Un peu quand même. Mais j'adore vos scénarios là. Comme je dis, hein, vous êtes giga flippant, mais je pense qu'on tient un truc. Hein. J'ai presque envie de dire vivement la fin du monde. De toute façon, c'est licorne la mieux pour ça. Elle se défend bien. C'est vrai. Elle est réputée pour ça, licorne. Elle va récupérer toutes les informations. Vous concernant, combien de temps vous exécutez lâchement dans votre gentil sommeil? Eh ben, tu sais quoi? Pas, je dormirai pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Cette émote licorne, terrible. Canaille pète pas. Alors, faut vraiment que je tire une balle pour ça. Oh, ça me permet moins de recharger un peu tout. Nye. Mais elle bouge toute seule. Ça marche pas. Nique sa mère. J'ai envie de canner. Mais je pouvais avancer jusque là, moi j'ai vu la chaise devant la porte, je me suis dit c'est bon, c'est fini. Oh saloperie. Oh dans l'œil. Vas-y, pute là. Sale pute. J'ai les clés. Ouais. Allez, ouvre. Prenez les flingues. On y va. Attendez, où est Abby? Une morsure. Reculez. Hé, hey, pointe pas ton arme sur moi. Hé, Abby a tenté de fuir. Ils l'ont mise aux colonnes. Les colonnes? Va à la plage. Tu la trouveras. Elle est sûrement déjà morte. Oh putain, on va sauver Abby, quoi. On va sauver Abby. Allez. Ah, tu saignes un peu, hein. T'es... Ouais. Ça fait penser au couloir de l'hôpital. Où est-ce que
Ah, je peux pas casser la vitre, désolé Yuki. Oui, c'est mignon la végétation, j'aime bien là, c'est joli. C'est très fleuri. Tirer à vue, elle a dit. Oh putain. Ça a explosé. Elle a ses règles du côté. Ouais, c'est ça. Je pense. Je sais pas, hein, moi je connais pas trop comment ça marche les femmes, alors du coup, je pense. Peut-être les règles du nombril, je sais pas. Un tampon et c'est reparti. Mais elle est ouf. Eh, tu sais, je pense un tampon dans une plaie d'une balle, ça se trouve, ça peut faire le taf. Hein. Que j'imagine en plus que c'est stérile. Ah ok, impossible de grimper là. C'est pas toi? Non, c'est pas toi, les bras sont trop petits. Là il y a des mouches. Bah, bah, bonjour. Bonjour, vous êtes? C'est toi. Koh-Lanta qui a un peu trop duré, ouais. Je peux pas la fumer, je peux pas. Une batte dans la nuque et hop. Et c'est terminé. Pas de balles. Ça gâche des munitions. Oh mais cette haine que vous avez. Aucune haine, juste plein de sel. Vous êtes comme l'eau dans laquelle je marche. On fait bateau à part. Une petite bite.
Ah non. Vous voulez que je vous dise, en vrai de vrai, là tout de suite, j'ai pas vraiment envie de la fumer. Je vous jure, c'est vrai, j'ai pas envie de la fumer. Sur son visage, oh putain. Je veux pas me battre. T'as pas le choix. Y'a rien à voir dans cette histoire. C'est toi qui l'as entraîné là-dedans. Se battre, putain. Combat de meuf dans l'eau, les gars. Ça parie de l'argent et une prédiction. OMG. Vas-y. Vas-y Ellie. Allez, on fonce. J'ai pas esquivé le troisième, j'ai pas eu le timing, j'ai pas eu le timing. Aïe. Aïe.
Vas-y. Pars avec lui. Oui, pour elle, aurait dû tuer le gosse. On a buté son père. On a buté son mec. On a buté la meuf de son mec. Enfin, oh, t'as compris. Elle a buté Jojo. Premier degré, la fin est nulle. Je sais pas, j'avoue, franchement, je sais pas. Coucou le potier. Ouais, ça va, je crois. Je crois. Je crois que ça va. Bah, c'est moche de compter comme ça, mais si on fait le point, Ellie, elle a fait plus de carnage contre Abby que Abby, en fait, j'ai l'impression. Elle doit vachement bien faire la... Oh, putain. La fin s'est entrée avec cette dernière partie. Ah, ça, il y a encore du gameplay là ? Ouais, Yuki, ouais, tu vois, je partage un peu le même truc. Et nous, en tant que joueurs, je pense vraiment, tu vois, on surréagit un peu sur ça parce que... Putain, elle est partie. Elle est partie. Merde, j'ai plus son prénom. Ouais, nous, en tant que joueur, on réagit à chaud parce que, bon, on s'est vachement attaché à Joël depuis le premier, tu vois. Donc forcément, on voit ce qui se passe, on est énervé de ouf. Elle méritait de mourir au lieu de mettre un cure-dent dans l'épaule. Ah la vache. Ah non mais c'est chaud. Après je comprends tous les avis de tout le monde, hein, vraiment. Tu sais plus jouer ? Deux doigts en moins, c'est moins facile. Ouais. Ah. Je vous dis, si vous me butez Richard, je vous laisserai pas partir comme ça. Personne ne touche à Richard. Oui, c'est le deux doigts qu'on fait. Et ouais. Salut. On peut l'appeler Ellie Twix.
Tu bois quoi? Du café. T'en as trouvé où? Dans ton cul. Les gens qui sont passés la semaine dernière. J'ai un peu honte. Et dans le futur Assassin's Creed, quoi? C'est pas mauvais. Je maîtrisais avec 7. Ouais, je sais. Et il faut que t'arrêtes de saouler Jesse avec mes patrouilles. Dina, vous êtes ensemble ou... Non. Non, c'était juste un baiser. Ça veut rien dire, elle voulait juste... Je sais pas ce qu'elle voulait. Mais elle te plaît. Je sais pas ce que cette fille attend de toi, mais... Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle aurait de la chance de t'avoir. Putain, t'es vraiment un enfoiré. Je suis pas en train d'essayer... J'aurais dû mourir dans cet hôpital. Ma vie aurait enfin eu un sens. Mais t'as tout foutu en l'air. Si on me donnait une chance de revenir en arrière à ce moment précis, je le referais sans hésitation. Ouais, réchappe. Et en fait, réchappe, si tu recommences le jeu, bah tu vois qu'il est pas mort. Donc c'était que des conneries en fait. N'empêche, je crois que je pourrais jamais te le pardonner. J'aimerais bien essayer. Ça serait bien.
Spike est là. Mais si, je suis très là. Merci Yuki pour les GG, merci Mitro pour les GG, merci Nikon pour les GG. Merci tout le monde pour les GG. Putain ce jeu. Incroyable. Incroyable. Gros merci Yuki hein. Merci Yuki pour la play et le jeu et le Elgato pour pouvoir faire la capture et pour pouvoir le streamer. Gros 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 merci à Yuki, big up à toi. C'est tu préfères le 1 ou le 2? Je sais pas. Vivement le 3, oui 100% déjà. Et je sais pas. En fait, ouais, si le 1 il était bien foutu quand même sur la fin. C'est vrai que moi je vous rejoins sur la fin un peu naze quand même du 2. Et un peu content quand même que, bah voilà, elles arrivent à... Peut-être qu'en fait, tu vois, je me dis, j'en sais rien, mais genre juste Ellie, elle libère Abby. Et barrez-vous. Ensemble, ou séparément, tu vois, à la limite, ça je m'en fous, mais c'est la baston de fin en fait, qui est peut-être de trop. Je sais pas ce que vous pensez, mais je pense que la baston de fin était peut-être pas si importante que ça, et que genre, juste voilà, on aurait dit, tu libères Abby, soit vous partez tous les trois ensemble, soit vous partez en séparé, fin du jeu, on met la petite scène de fin, on verse la larme et voilà quoi. Faudrait que tu essayes en laissant Ellie se faire taper. Je pense qu'à mon avis, tu re-essayes en boucle. Hein. Est-ce que Abby l'a tué? J'y ai pensé. Hein. Tu l'as testé toi du coup, Yuki? Ça change rien. Ouais, du coup, tu retrailles en boucle. Ah, y a pas vraiment plusieurs fins possibles, quoi. Y'a que la haine qui nous sert pendant l'apocalypse. Ouais, je sais pas. Oui, la fin de la maison, un peu de trop. Alors, dans la maison, c'était pas... moi, ça m'a pas trop posé problème, tu vois. Ça met une petite fin, ça met un petit... petit scénario, un petit truc, tu comprends vite fait un peu de lore, pourquoi pas. Mais le... Ouais, moi c'est vraiment que la baston de fin en fait, que j'ai pas... Je me dis que je suis pas fan. Mais Dina s'est barrée. J'avoue qu'on reste aussi un peu sur ça. Dina qui s'est barrée. Et Ellie qui se barre avec Joël quand même qui a dit que... Que Dina aurait pu être vraiment une putain de bonne personne. Abby et Ellie se fight et c'est Abby qui gagne, mais sa conscience lève, la pousse à laisser Ellie en vie. La suite, c'est juste la revanche d'Ellie. Et elle aussi épargne l'autre à cause de sa conscience. Ça te permet de te dire qu'il va y avoir un 3. C'est pas obligatoire en vrai, mais voilà. A voir maintenant si le 3 sera de trop ou pas. En termes de scénar. Mais je pense quand même que je préfère... En vrai, je pense que je préfère le 1 pour le côté genre un peu nostalgique, même si c'était pas il y a si longtemps que ça. Un peu le côté nostalgique, ma première découverte, tu vois, de ce jeu, de cet univers, des scénars et tout. J'ai une préférence pour le 1. Et le 2, il m'a quand même mis des claques au niveau des émotions. Le gameplay, les graphismes, le scénar, les environs, il n'y a rien à redire. Vraiment, il est insane, tout est nickel. Et je suis juste déçu pour la fin, en fait, du 2.
Il y a vraiment que ça qui m'emmerde, c'est d'avoir la fin du 2 où c'est pas fou. Et si tu regardes avant que Tommy se pointe, effet ouin ouin, tu m'as promis de la buter. Elle était quand même bien, même si Ellie avait des cauchemars encore. Est-ce qu'elle aura encore des cauchemars ? Non. Et surtout qu'actuellement, au final, Ellie a tout perdu. Joël, sa meuf, ses doigts, ce qu'elle a appris matérialisé par la guitare, oui. Et qu'il lui reste plus qu'à écrire sa vie, tout ça, psychologie de comptoir, mais voilà. Oui, non, ouais, là, ça nous montre vraiment que Ellie a tout perdu, elle se retrouve juste seule, avec son sac à dos, et c'est tout. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant, on sait pas. Oh, j'ai plus de batterie, genre. Je pense dans le 3, elle se fera tuer pour conclure l'histoire. C'est tout à fait possible. Il y a une pseudo-règle qui disait que tout ce qui est imaginaire, fantastique ou science-fiction, le héros principal meurt toujours. Joël était l'héros principal du 1 quand même, un peu. Elle pensait encore à la mort de Joël, mais elle avait dit à Gigi pour essayer de survivre à ça. Ouais. Il dit la SDF. Je pense dans le 3, elle se fera tuer. Ah pardon, ça je l'ai lu. Et là, comme dit Minya, bah, elle a plus rien et au final, elle est un peu partie pour rien. Car elle a pas tué Abby, c'est vrai. C'est vrai. Et là, le 3 est juste sur Abby. Je serais déçu de ouf, je pense. Le personnage joué principal, c'est Joël dans le 1, c'est vrai. Mais le personnage principal de l'histoire autour de qui ça tourne, ça reste Ellie. Oui, 100% d'accord. Putain, les musiques. Ah, les musiques de son jeu. C'est fou. Et vous du coup là, tous ceux qui ont vu le jeu, qui l'ont testé, qui ont vu des let's play ou qui m'ont vu là en stream, qui ont vu les replays, etc. Vous pensez quoi? Du 1, du 2, de... Genre ils vous font kiffer ces jeux ou pas? Non, ça tourne autour des champignons, pas du tout. C'est fou hein, licorne, hein, mais je me doute que tu rigoles un peu, mais... Au début on te présente Last of Us comme un jeu de survie dans un monde post-apocalyptique zombie. Oh bah les zombies, que ce soit dans le 1 ou dans le 2, hein, y en a pas. Hein. Vraiment pas. Hein. C'est dans mon top 3 des jeux solo et je suis vieux. C'est quoi ton top 3, dis-moi du coup, au complet, mon petit potier. Le 1, ouais. Pas mal. Ça reste un pas mal pour toi, Richaf. Ton top jeu, Richaf, toi, ce serait quoi? C'est quoi vos top jeux ever, vous tous, là? Yuki, tu savais pas, l'actrice qui a fait le motion design d'Eli pour le jeu fait une apparition dans la série. Dans le 1, Yuki, c'était pas Ellen Page, qui a changé d'ailleurs de sexe et qui est passé Elliot forcément solo. Pff, bah les couilles. Meilleur jeu ever. Vraiment. Je mets pas Valo, hein, moi, vraiment. Hein. Valo, j'ai passé beaucoup plus d'heures que tous les jeux que j'ai joué dans ma vie, je crois. Quoique, il y a quand même World of Warcraft et Guild Wars que j'ai quand même bien saigné en temps de jeu. Mais ouais, je pense que moi, ça reste les Last of Us. Hein. J'ai pas de top jeu, ça arrive. DZCS, Minecraft. Ah ouais, Minecraft, j'aurais pas cru, Bitro. Top 1, le royaume sur Mega Drive. On est rétro chez Licorne. Donc oui, pour le 1, c'était bien Ellen Page, du coup, pour la mocap. Et pour le 2, comme elle a grandi, ils ont changé de meuf. Et celle-ci fait apparition dans la série. Ok, d'accord. En
en solo, je dirais Gun, The Witcher et Skyrim. Skyrim, j'ai toujours pas testé, mais j'ai eu du mal, moi, quand j'ai eu la hype Skyrim, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. Je sais pas pourquoi. C'est comme Witcher, hein. Tu vois, là, j'avais commencé l'autre jour là sur le compte de Mia. C'est vrai, j'aime bien. Mets pas en repos, s'il te plaît. Continue la musique, j'adore. Puis profitez du générique. Regardez tous ces gens qui ont travaillé sur le jeu, c'est pas fou. Genre là, j'y pense pendant deux secondes. Vous avez vu la quantité de noms qu'il y a? C'est une dinguerie. Alors qu'il y a Skyrim Multi, c'est vrai. Silent Hill 2, Nier Automata et Metal Gear Solid 1, team un peu rétro aussi pour moi. Moins rétro, je pense que Licorne, mais ouais, je vois Skyrim la folie. Skyrim, tu devrais tellement essayer. Faudrait que je réessaye, mais je suis... Je sais pas, il me... Il est un peu bresson, je trouve. C'est vrai que moi, j'ai... Après, on va se faire la stuff et genre dire non, c'est un peu trop sombre, hein, Skyrim. Oh là là. I'm just a poor wayfaring stranger. Traveling through. J'ai vieux quoi, même s'il est beau avec les mods, il a pris cher. Vous allez dire que même avec les mods, il est. Oh la musique. There is no sickness, no toil. The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, Elden Ring. Après j'en ai trop en tête, ouais, après je me doute, c'est compliqué de faire des choix. J'ai pas de favori, je crois qu'il faudrait que j'arrive à en finir un pour en avoir un. Ouais, on a fini quelques-uns, Mia. Le gameplay est lourd de Skyrim, ah ouais. Et tu vois, c'est un peu ce qui me semblait. Ouais, graphiquement, il y a peut-être mal vieilli Skyrim. Cyberpunk, j'ai vraiment bien aimé. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont bien aimé Cyberpunk. C'est vrai qu'il tabasse aussi, lui aussi, graphiquement. Et le gameplay avait l'air fou, l'histoire aussi. Alors que lutter pour la démocratie dans Helldiver. C'est vrai, ça, on n'en parle jamais assez, je trouve, de... Après moi ce qui me gêne, alors Skyrim je sais pas, Skyrim c'est open world, on est quand même guidé par des quêtes assez couloirs. Parce que moi j'avoue, je pense que les open world, à moins que ce soit un MMO, j'ai beaucoup de mal. Genre je me perds trop, y a trop de trucs à faire. Open world, mes quêtes de fond, ouais. Qui te disent où aller de moi, donc ça c'est un peu guidé, mais ça reste quand même un peu en open world. C'est ça, c'est que moi je perds trop de temps. Déjà que de base, un jeu open world, c'est très fourni, c'est très velu, c'est très long. Du coup, je me perds quoi. Si en plus je me perds et qu'il y a trop de gameplay, bah je fais pas les trucs principaux et je finis pas quoi. 2000 heures sur Skyrim, je pense. Ah ouais, Bitro. Skyrim sans mode, c'est nul. Je peux comprendre. Dragon Dogma 2, bah tu peux demander à Réchaff, il a Ponsax. Et il s'est régalé. Après, je te laisse en parler si tu veux, Réchaff, mais. Je dois pas être loin des deux cases. C'est vrai que je te vois souvent le lancer, Yuki aussi. Hein. Je le débute là. Bah, il paraît qu'il est très très bien. Après, voilà, faut aimer un peu le style, mais. Mais c'est ce que je dis, le jeu est passé. Après, c'est peut-être mon point de vue. Non, non, mais j'en doute pas. Hein. J'en doute pas, Bitro. Vraiment, c'est un peu le ressenti que j'ai. N'en parle pas assez des musiques, quoi. Ah, sur Last of Us, si, hein. Je pense que Last of Us, il est vraiment réputé quand même pour avoir une BO. Peut-être que mon avis est biaisé parce que je suis très très fan du jeu, mais. Bon, maintenant rends-moi ma console que je rejoue. Viens la chercher. Vraiment, viens, hein, là je vais couper le stream, viens, y a pas de soucis. Hein.
Non, les BO de Tlou sont banger. Ouais. Un bon jeu d'explo et combat avec les quêtes et le bestiaire qui reste limité, c'est un petit peu dommage. Ouais, je vois. Je viens samedi, ouais, je sais. Comme si vraiment tu la voulais maintenant. Ou si tu veux, on peut faire moitié-moitié chemin si tu veux. On fait la moitié de la route chacun. Mais voilà quoi. Ça peut se faire. Je veux dire, tu n'auras pas ce qu'il faut avec, si tu vois ce que je veux dire, wink wink, mais je pourrais te les donner samedi. Je parle bien entendu des petites figurines. Mm-hmm. Mais oui, Minecraft, je pense que c'est le jeu auquel j'ai le plus joué. D'accord. Et ben, c'est là que j'ai appris Lime avant CS. Ah ouais, vraiment. Ah, c'est fou ça. Ça, c'est fou. Jeu terminé, vous avez découvert la nouvelle partie plus et le mode speedrun, bien sûr, évidemment. Nanana, nanana, ok. Bon, ah bah très bien. Ah, et maintenant le bateau, il est... il est là. Coulisses ? Vous voulez qu'on regarde les coulisses ? Un aperçu de la production de Last of Us partie 2. Je sais pas si ce sera doublé. Il s'agit des versions pré-alpha inachevées accompagnées de commentaires optionnels joués à des ébauches de niveaux supprimés lors du développement de Last of Us. Donc ils ont supprimé des niveaux. Bon, ce qui est assez quand même fréquent. Images conceptuelles, regardez les illustrations ayant servi à élaborer le jeu. Trouver des objets extérieurs pour obtenir des trophées et terminer le jour des difficultés élevées pour gagner des points et dévoiler des contenus inédits. Les coulisses, regardez la bande annonce de Realist 2, les coulisses de Last of Us par 2. Et écoutez le podcast officiel de Last of Us. Mais ça doit être que de la VO, non? Ah, si tu fais ça, je regarde pas. Oh, bah, je regarde pas alors, sinon. Activez le commentaire de tout pendant les cinématiques. Ok, d'accord. Mais c'est du jouable, du coup? Je regarde vite fait. On va regarder Jackson vite fait. Ah, mais faut payer des points pour déverrouiller des machins. Bon, j'en ai 487. Juste en claquer un. Voir comment ça se passe et ce que c'est concrètement. Je suis un peu curieux. Ah d'accord, c'est vraiment juste des images. Ah d'accord, ok, c'est vraiment juste du... Voilà, il y a un mélange de 3D et de painting. Vraiment fou. Hein. C'est les concept art du jeu. Ouais. Oh, les dingueries. Oh, Yuki, en vrai, quand tu les feras, je voudrais bien que tu les streams sur Discord si jamais t'es ok. Ah, c'est cool, hein, toute cette ambiance. Hein. Elle est magnifique, celle-là. Ouais, elle m'a fait bugger, celle de la rivière. Celle-là, là, j'ai... Ouais. Tra, les mecs, ils ont dû... Ils ont du skill, putain. Ça fait bander, ouais. Incroyable. Il y a un air de Rick, un peu, dans Walking Dead, non, vous trouvez pas ? Au niveau du haut du visage un peu peut-être. Après le poney est en liberté quoi, mais on s'en fout si joli. Vie. Si tri joli. On aime beaucoup. Bon, hop. 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 C'est ex qui est joli. Oh, arrêtez à se faire vivre. Clic, clac, éteindre la PS5. Bisous. Merci, au revoir. C'était chouette. J'ai kiffé, j'ai bandé. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la musique qui a bugué, pardon, excusez-moi. On va se remettre autre chose comme musique. Quoique, de toute façon, ça va être un peu la fin. Hein, voilà. Tu as fait Red Dead Redemption 2. Non, j'ai pas éteint le jeu, c'est vrai.
Merde, je suis désolé Yuki, j'y connais rien en console. Je suis un putain de boomer. TMTC ma gueule. Je suis vieux. Je suis giga vieux. T'as juste éteint la console. Ah si j'éteins la console, ça a éteint le jeu, non? Et là, ça n'a pas sauvegardé le jeu. Ah là, ce serait fou. Ce serait fou. Merci, merci du coup. Mais de rien, hein, de rien. Et nous, et merci, merci à vous toutes et tous en vrai, parce que c'était quand même bien cool. Moi, je me suis régalé. Je me suis régalé autant pour le jeu que de vous le l'avoir stream. Est-ce qu'il y a notre copain avec qui on a joué à Valo l'autre jour qui est en stream? Mia, tu sais, Rose, je sais pas quoi, parce que là j'ai mon opéra qui bug. Content d'avoir insisté de fou pour que tu acceptes que je te passe tout. Ouais, j'avoue. J'avoue, t'as bien fait d'insister, hein. Mais c'est pour ça que moi ça me gêne toujours hein, quand on me prête des choses comme ça. Je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise, je me dis ouais, ça va peut-être manquer, tu vas peut-être avoir envie de t'en servir. Imagine, je casse. Imagine. Oh mon dieu, je m'en voudrais tellement. Je vais essayer d'ailleurs de tout te remballer, tout nickel chrome là. À la bien zinzin. Et tu sais que j'étais un peu comme un gamin quand j'ai déballé ta play l'autre jour. Je suis arrivé en appart et j'étais là, j'ai dit putain, j'ai un petit nouveau jouet et tout. On déballe la play, on va la brancher, on va essayer et tout. Là, ça marche pas, alors j'ai de tryhard combo fou pour essayer de tout faire marcher. Bref, c'était assez marrant. J'ai l'impression. Attends, si je fais ça. Est-ce que ça fonctionne? J'ai l'impression que mon Twitch. Mon opéra est complètement pété. Vous avez un nom de chaîne? Vous voulez qu'on aille raid là? Les amis. Si vous me drop un petit nom de chaîne. Avec la bonne orthographe. Très important. Comme ça moi j'ai juste à copier-coller. Et puis comme ça ben, on va aller envoyer de la force à quelqu'un. Tranquillou bilou. Et ouais, je disais, ouais, non, pour moi, c'était giga cool de pouvoir stream ça, là. Allez. Pour la recommandation de Licorne. Hop, c'est une fin de stream. On envoie pour le raid, comme ça. Bitro, 1v1 Valo, let's go. On se fait ça, si tu veux, juste après, si t'as envie, si t'es chaud. Let's go. J'ai bien kiffé du coup ce petit jeu, d'avoir passé tous ces petits moments avec vous, stream en journée, l'ambiance c'est pas du tout la même, il y a clairement moins de monde que le soir et tout, mais c'est normal et je comprends tout à fait, mais j'ai trouvé l'ambiance vraiment différente des streams de soirée et c'était vraiment giga cool. Mais c'est pas pourtant que je vais arrêter, normalement il y en aura encore cette semaine, puisque cette semaine je suis encore en arrêt de travail, bien sûr. Et demain soir, rendez-vous à 21h, demain soir stream de soirée du coup, on sera normalement avec Mia et Réchaff. Si tout va bien, si tout le monde est là, si tout est OP pour du coup tester le jeu que Réchaff t'avait recommandé, c'était Content, je sais plus quoi. Un petit jeu d'horreur urbex en coop multi, il paraît que c'est rigolo. Ça a l'air sympathique. Je connais pas du tout, mais on a vu quelques extraits avec Réchaff, ça a l'air bien bien cool. Miam miam miam. Mia, faudra que tu fasses penser si t'as toujours pas le jeu, faudra que je te le refile. Et pas de stream ce soir, je pense. Après, on est pas à l'abri d'un stream surprise. Qui sait, on verra bien. Et puis ben voilà, qu'est-ce que je vous dise moi. Prenez soin de vous, restez comme vous êtes. Je vous kiffe, je vous kiss. Bisous, bon après-midi, bon courage à ceux qui travaillent. Ciao.